Je préfère la fraîcheur de l'extérieur. À l'ombre, sous un arbre, voilà où Lucie a trouvé un peu de fraîcheur aujourd'hui. Comme tout le monde, elle a tenté de fuir cette canicule qui s'est installée à Lyon. 37 degrés ont été relevés cet après-midi. Une chaleur difficilement supportable et plus particulièrement pour les personnes âgées. C'est le cas d'Odette, 85 ans, encore sous le choc du malaise dont elle a été victime ce matin. J'ai été au podologue et puis pour revenir, je n'arrivais plus. J'arrivais plus à marcher. Parce que la chaleur était là. Qui veut des verres d'eau ? Depuis quelques jours, le plan bleu a donc été activé dans les établissements accueillant des personnes âgées. Au cœur du dispositif, la distribution d'eau, bien sûr, mais aussi la mise à disposition d'une salle climatisée pour les résidents. Dans ma chambre, il fait 30. Alors automatiquement, le temps de venir, il y a 50 mètres, mais j'ai chaud. J'ai jamais eu aussi chaud que cette fois. Vous allez partir ? Non, mais j'ai préparé ma bouteille d'eau. Très bien. Plusieurs fois par jour, Julie passe également dans les chambres pour s'assurer que tout se passe bien pour les résidents et rappelle au passage les consignes à respecter. Par exemple, ce matin, un résident pédalait au soleil. Donc on l'a arrêté, on l'a stoppé, on lui a dit de se mettre à l'ombre, d'aller boire, surtout boire. C'est le plus important. Une vigilance qui sera maintenue au moins jusqu'à lundi prochain, fin de cet épisode caniculaire. Ça fait du bien quand même, hein ? Vous en voulez un peu ?